C'est normal qu'il y ait une belle joie dans ce vestiaire. Oui, parce qu'on a eu une semaine un peu difficile, parce qu'il a fallu composer avec des blessés, des joueurs qui étaient absents. Donc on s'est soudé avec l'équipe 1, on s'est soudé avec les Velasquez pour ramener le groupe vers ce qu'on avait aujourd'hui. J'étais prêt du début à la fin, c'est Manieré. On a vu un match remarquable. On avait identifié un gros pack, donc on avait demandé aux joueurs de passer le ballon sur les zones, ce qu'on appelle sur l'extérieur, les zones loin. Et voilà, et ça a marché dès le début avec Maxime nous a mis dans l'avancée dès le départ et on y est resté. Pour féliciter les 23 garçons. Et tourner vers l'offensive, 7 essais, clean sheet, c'est le mot à la mode, c'est-à-dire 0 points encaissés, c'est le match idéal. Oui. On ne pensait pas quand même qu'ils aient le bonus aujourd'hui. Ouais, mais voilà, comme je t'ai dit, ça s'est déroulé comme on le souhaitait. Donc maintenant, on continue notre marche en avant. Ce sera très dur les 6 secondes de place, mais on va tout faire. Un match abouti, vraiment. Ouais, c'était cool, ouais. C'était cool. Bon, après, on a fait quelques erreurs. Mais dans les matchs plus compliqués, ça sera un peu plus compliqué. Mais sinon, il fallait ses points, il fallait le bonus offensif. Et puis voilà, et après, il a pris le coup, putain. Non, c'est bien, on a gagné, c'est cool. Voilà, maintenant, il nous reste, on est troisième. C'est compliqué, les interviews ici. Non, et on est troisième, maintenant, il faut chercher la deuxième place pour se qualifier. Voilà, et après, dans l'ensemble, ouais, on a fait un gros match. Donc voilà, c'est bien. C'est bien pour ce week-end, maintenant, il faut passer au week-end prochain. Et si je te dis que le public, d'abord, il y avait beaucoup de monde. Ouais, il y a du monde. Mais, cool, mais ils sortent enchantés de d'avoir vu ça. Quoi. Ouais, mais les consignes, c'était ça, aller beaucoup en externe. C'est ce qu'on a fait. Et ça nous réussit depuis le début de saison, quand on joue, tout simplement. Et voilà, donc quand on joue, mais ça passe. Donc, c'est une chose qu'on n'a pas fait la semaine dernière à Tarbes, où on n'a pas trop joué, où on avait beaucoup de pression. Donc voilà, et contre le Rouen, il faudra mettre la même intensité. Et puis voilà. Avec la qualif à l'objectif. La qualif à l'objectif. Comment on sent dans un match comme ça? On est content. Content que tout le monde s'est régalé, que les supporters se sont régalés, que nous on s'est régalés sur le terrain, et que voilà, on montre que tout le monde est tous ensemble, tous les jeunes qui sont montés nous aider, c'est énorme. Voilà. C'était un bon match et voilà, maintenant on prépare le prochain avec ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce qu'on a fait de bien, on le garde pour la semaine prochaine et à corriger les petites erreurs encore. Voilà. Première mi-temps avec beaucoup de jeux, beaucoup de rythme, des enchaînements avant trois quarts remarquables, des essais en première main. La deuxième, évidemment, le score était acquis, donc vous avez un peu plus géré, quoi, on va dire. Mais, on a un peu plus géré, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas baisser le rythme, parce que sinon, les équipes peuvent vite revenir. Et du coup, c'est moi, je suis content parce que personne n'a baissé la tête. Il est content. Et du coup, voilà.